Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Épisode 23 sur Cyberpunk, on continue donc. La fin du jeu. C'est Askagaï Finch qui gère tout simplement. Ouais, tout va bien. T'as aucune raison de t'inquiéter. Maintenant arrête-toi, coupe le moteur et regarde bien les étoiles. C'est tout. Tu le regretteras pas. Je dois te laisser. Je t'aime. Oh. Tu vas faire le plus gros coup de ta vie sapé comme ça. Vraiment. Pourquoi? Ça me fait un gros cul? Ah, c'est pas ça qui va te protéger des balles, mais tu fais comme tu veux. Et attends, ouais, d'ailleurs. Ah ouais. Je peux pas virer ça? Attends, comment on fait de nouveau? Voilà. Attends, il est où mon haut? Voilà. Voilà. Ouais, là, on est bien. Prêt? Grog, c'était qui? Mon fils. Ça, je l'avais pas vu venir. Quoi, tu veux dire que... Que t'as... Une vie privée? Ouais. Et j'ai envie qu'elle le reste. Je t'ai demandé si tout était prêt. Ouais, tout est prêt. Bien, allez bien, avant que ce taré décide de décoller sans nous. Ok. Allons-y. Je l'aime bien, ça. Il va me manquer. Direction le dernier étage. Et Wayland, tu lui as dit quoi sur ce boulot exactement? La seule chose qui l'intéressait, sa part. Et il est bon? Il veut devenir une légende de Night City. Ah, comme nous tous. Ouais, en espérant que ça se passe bien cette histoire. Hein. Oula, la relique qui commence à... Ouais, c'est l'histoire qui se reproduit dans un certain sens. Tu sais ce que je préfère à Night City? Vas-y, dis-moi. Regarde, en bas. Tu vois ça? Un jour, t'es dans le caniveau, et le lendemain, la ville entière est à tes pieds. La ville entière, putain! D'ici, personne peut nous donner d'ordre. Pas même ces fils de pute. Je sais pas comment tout ça va finir, mais ce qui est sûr, c'est que la matinée va être bruyante. Il est temps de réveiller à nouveau toute cette putain de ville. Ouais. Putain, c'est trop beau. Et ça va bientôt l'être encore plus. Tu me dis quoi? Vous avez fumé, vous m'avez même pas proposé. Tu rêves, Squam. Regardez bien le ciel, les gars. Ah ouais. Cunningham entre en scène dans 3, 2, 1. Waouh, c'était le Durotine. Tu peux faire un vœu. C'est clair, là, plus qu'un vœu même. Ils nous ont repérés. Et merde,
Tu rigoles. Écrasé près de la cascade. Je vais essayer de contacter. Après ça, faudra trouver. Ouais, alors, merde. Tu me reçois? T'es en un seul morceau? Ouais, je crois. Et on dirait que j'ai éveillé la curiosité de la tribu locale. On va te sortir de là. Bouge pas. Ça risque pas. On va chercher Wayland. Ça marche. Garde. Ils sont sur le terminal. Soit on passe sans se faire remarquer, soit on les liquide tous. Je te laisse décider. Appel à toutes les unités! Ouvrez le feu! Regarde si on peut utiliser ce terminal ou pas. Attends, il y a du loot légendaire là. J'irai pisser sur ta tombe. Dirige-toi vers la cascade. Je t'y attends. Baissez-vous. Ok. Bougez-vous le cul. J'ai besoin de renfort. Allez, dégage. Ah oui, merde, faut que j'aille voir Rogue, moi je me casse déjà, tu sais. C'est pas trop tôt? Bon, au boulot. Wayland, tu m'entends? Oui. Merci pour le coup de main. T'étais censé sauter avec nous, tu sais. J'aime pas quand les ennemis sont groupés. Du coup, j'ai préféré les disperser. Bah, au lieu de ça, tu les as tous loupés là. C'est pas le moment! Tirons-nous d'ici. Allez! Ok. T'es un commandant, ça ? On récupère le jeton d'accès et direction l'ascenseur. Maintenant, prenons l'ascenseur. Oula, si je savais mieux viser. Putain, le loot légendaire. Ok, c'est parti. Je vais équiper mon shotgun au cas où. C'est parti. Mettre un petit coup de santé, ça fera pas de mal. Et tiens, je voulais juste voir un truc. Hop là. L'Atrium. Putain. J'ai eu rendez-vous ici avec Michiko Arasaka il y a même pas un mois. Des couloirs et des bureaux vides. Comme la première fois. Tu te souviens?
Eh bah, évidemment. T'as changé, tu sais. T'as enfin grandi. Et toi, t'es toujours la meilleure. Les salles de sécurité se trouvent au niveau inférieur. Tu vas devoir te frayer un chemin. Ouais, bah ça me va, moi. Attends, juste pousse. Les ascenseurs sont encore bloqués. Il va falloir sauter. C'est pas fait une sacrée. C'est bien pour ça que je t'ai dit d'apporter les antidotes. Ok, suivons Rogue. En bas. Ouais, faut que je saute. Je vois que j'ai pas perdu la... Ah oui, ok. Oh, je m'en lasserai jamais. Bah écoute, pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai envie de te dire. Rendez-vous tout de suite. Ok. Non, c'est pas là que je voulais aller, moi. Prends-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais dis donc. Alors. Ok. Oh bah. Où est-ce qu'on va maintenant? Dans la salle de sécurité. Alors attends, désactive-moi ça. Ah merde, c'est un copain, hein. J'essaie de tirer dessus, moi. Abattez-la! Ah ouais? C'est parti. Non, 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 non. Tu peux pas mourir. Je peux pas l'ouvrir d'ici. Il doit y avoir un terminal de contrôle pas loin. Ah oui, là. C'est ouvert. Je transfère Alt. Vas-y, lâche ta petite copine. On va voir quoi elle est capable. Hé, t'es la seule qui ait jamais compté. Tu le sais, ça. Je le sais. Dommage que toi, tu l'aies jamais compris. Ça aurait pu être pire. Alt est entrée. Tu penses qu'elle peut percer la glace? J'ai déjoué leur sécurité. Je contrôle la totalité du bâtiment. L'accès à Nekoshi est dégagé. L'ascenseur, vite! Ok. Ok, elle les détruit tous. Menace éliminée. Oh, j'ai pas vu ça, moi. Ah, ben, elle les a tous tués, en fait. Attends, faut penser au loot, les gars. Je suis désolé, là, mais... Proche de la plateforme d'atterrissage. La cavalerie va débarquer. Là, il y a un truc violet, non? Bon, hop, tant pis. Ok, bah vas-y, si la cavalerie débarque. Rends-toi. Ok. Merde, tu es déjà trop lourd. Alors attends, sac.
Voilà. Là, il faut l'attendre l'autre là. Centre des opérations de Netrun. C'est parti. Tout est rechargé dans mes armes, c'est bon. 2071. Les forces de sécurité d'Arasaka empêchent d'importantes émeutes à San Francisco, sauvant la ville d'une destruction certaine. Toujours aussi captivante la mission. Et les dialogues et tout. N'importe quoi. Je connais ce regard. T'as quelque chose à me dire? Ça t'arrive de penser au passé? À pourquoi on faisait ça? Quoi au juste? Pourquoi on affrontait les corpos, harnachés de cuir et de chrome avec nos crasheurs? Je sais pas, Johnny. On était jeunes. Les gamins ont du sang chaud plein les veines et des conneries plein la tête. On se battait pour la beauté. On se foutait de savoir ce qui était bien ou vrai. Tout ce qui comptait pour nous, c'était la beauté. C'est pas le moment de philosopher. On refera le monde autour d'une bouteille de vodka quand on aura fini. Sans déconner, vous me régalez. Deux vieux en train de se raconter leurs vieilles histoires. On dirait mes grands-parents. Les Netrunners d'Arasaka s'attaquent au système de la tour. Stopper leur progression est devenu ma priorité. Continue d'avancer seul. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Ok, j'ai sauvegardé. Il a essayé de s'enfuir, et la tourelle l'a réduit en charpie. Oh, merde. Ah non, ils sont avec nous, ok. C'est le pommard avec pas la moindre chance. Viens, faut passer cette porte pour descendre. Je m'apprête à repousser une attaque de maître neuf qui est extérieure du bâtiment. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Vous devez vous dépêcher. Une unité d'élite d'Arasaka vous suit de près. On se bouge. Ok. Proche que je sens presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la table et on sort. Ouvrir la porte. On peut pas changer le passé. Je... Mais il n'est jamais trop tard pour tout passer. Ouais, c'est quoi ça? Mal. Attends, pousse. Oh putain. Il est où? Recharge. Où est-ce que t'es, salopard? Ok. On n'a pas beaucoup de temps. Écoute-moi.
Écoute-moi bien, sale fils de pute de Borg. Aucun de nous deux n'arrivera jamais à la cheville de Ron. C'était la meilleure des meilleures, et tu l'as tuée. Elle connaissait les risques. Ron voulait ta peau. On dirait qu'elle a enfin réussi. Tu délires. Je l'ai buté, cette vieille salope. Tu piches que dalle, Smasher. Elle a choisi la fin qu'elle voulait à son histoire. Toi, t'auras jamais cette chance. Ok. Oh merde, alors Rogue, elle est morte si je comprends bien alors. Prenez l'arme de Rogue. Attends, c'était ce qu'il y avait là-bas? Bon, je sais pas trop où est-ce qu'elle est, son arme, mais hop. Cool. Bonne chance, Silverman. Le point d'accès est devant toi. Connecte-toi. Ok. Là, c'était vraiment la fin. Hein. Halt. L'occasion se représentera peut-être pas. Alors je te le dis maintenant. De la part de V, merci. Et de ma part, je suis désolé. Allez, on se connecte. Aller sur le toit. Ok. Ce qui fut, ce qui est à venir. Ok. Ah, mais c'est moi.
dirais que j'avais encore raison. Je t'avais dit que j'allais gérer. Contente de te voir aussi, Johnny. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, un peu? Non, mais c'est sûrement mieux comme ça. Rogue est morte. Smasher était là. Désolé. Ne sois pas. Elle est morte pour moi, pas pour toi. Mon corps est toujours entier. Je l'ai garé au sous-sol de la tour Arasaka. Il est connecté au réseau. Je m'en doutais. Ta femme me torpille le cerveau avec le tueur d'âme depuis un petit bout de temps. Halt! Tu comptes te montrer? Tu viens pas dire bonjour? Je suis un engramme maintenant. Un construct. Putain! Ouais, et alors? Bienvenue au club. Hé, hey, halt! T'es où? Elle m'a dit qu'elle finissait la somme de contrôle et après, elle me recopiera dans mon corps. Alors ça y est, c'est terminé. Tout est entre les mains de Halt maintenant. Non. Qu'est-ce que... Halt? J'ai fait une erreur en excluant le corps comme facteur. La reconfiguration de l'ADN est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Putain, mais accouche! Avec des mots de toureux! V mourra quoi que je fasse. C'est inévitable. Et imminent. Revérifie. Si l'engramme de V est endommagé, tu peux pas la réparer? Le matériel. Le problème vient de là. Les neurones de l'organisme meurent depuis quelque temps déjà. Toute tentative de procédure sur le cerveau entraînerait la mort de ce dernier. T'es un putain de génie! Trouve quelque chose! Ça suffit, Johnny! Ferme-la! J'ai besoin de réfléchir! Halt! Réfléchis. Il y a forcément une solution. La biopuce a modifié l'organisme hôte de façon irréversible. Il n'appartient plus à V qu'il perçoit comme une intruse. La situation est différente pour toi. Toutes ces modifications ont été faites pour t'héberger. Attends, t'es en train de dire à ton ex de m'éjecter de mon propre corps? Les modifications sont irréversibles. Tu n'as plus rien à perdre, et il a tout à y gagner. Je ne souhaite pas m'immiscer dans vos affaires, mais tant que Johnny a le contrôle total, il peut faire ce qu'il veut. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est... Et je te ferai pas ça jamais. J'ai aucune intention de te faire du mal. On a passé un marché et je vais m'y tenir. T'as intérêt. On doit réfléchir un peu, hein, à nos options. Et vu que de toute façon, je suis condamné, on va s'en tenir à mon plan. Je pars. Tu restes. Mon corps t'appartient. Je pars avec Halt, bah oui. Non. C'est à moi de le faire. Sale enculé de menteur! Alors qu'est-ce que je dois faire, Halt? Traverse simplement le pont. Tu deviendras une partie de moi. Et V récupérera son corps tel qu'il était avant. Ok. Bah oui, je vais récupérer mon corps de V, hein, ça c'est clair. Hein. Attends, tu te fous de ma gueule? Y a pas d'option, espèce de sac à merde hypocrite! Tu te barres et je reviens, c'était le plan! Mais c'est ce que je veux faire là? Ok, tu calmes. Je crois que j'ai un peu trop de ton sang dans mes veines. Il faut que je me détende. Écoute, si je devais choisir avec qui passer le restant de mes jours sur une île déserte, ce serait pas toi. Jamais. Merde, je préférerais encore choisir les acteurs de Little Big Corpora. Parce que t'es un connard de classe internationale. Il y a tout un tas de gens qui mériteraient de vivre plus que toi. Mais malgré tout ça,
pas envie que tu crèves. Promets-moi juste une chose, connard. Que tu m'oublieras pas. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, toi. Je vais sauter sous la douche. Moi aussi. Donc là, je suis revenu dans le corps de V, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de ouf, là? What the fuck? Mais c'est quoi ce palace? Merde. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça se fait qu'elle tousse encore? Si t'as besoin de moi, je serai dans la cuisine. Ouais, on va s'habiller, c'est quand même mieux. Hein. Bah attends, mais j'ai pas mes fringues quelque part? Ah voilà! Plus réellement mes fringues, mais bon. Si, celle-là. Bah, elles sont passées où, mes habits? Bon, c'est pas grave, c'est que des fringues. Parler à Judy. Parle-moi, V. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu sais ce qui va pas? Je suis en train de mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je peux faire une save? Ouais, c'est bon. C'est bien ce qui va pas. Je suis mourante, tu dis. J'ai pas envie d'en parler maintenant. C'est à cause de Mikoshi. J'ai vu tes nouveaux médocs dans la salle de bain. Ça s'aggrave, c'est ça? T'inquiète pas, ce sera bientôt réglé.
réglée. V. Je suis pas aveugle, ni stupide. Je vois bien que t'as dressé un mur entre nous, que tu me tiens à l'écart. Des fois, j'ai l'impression que tu remarquerais même pas si je disparaissais. Laisse tomber. Je vais dehors. J'arriverai peut-être à apercevoir le Crystal Palace. Attends, je vais recharger. Je vais recharger la save pour voir si je lui dis autre chose qu'elle dit. Est-ce que c'est pareil ou pas? Ouais, nous on est comme ça. Ok. Ouais, c'est bon. Rien, tout va bien. T'es sûr? Ouais, ces derniers mois, ça va super. T'as l'air différente en ce moment. Tu penses toujours à Mikoshi? Ou bien, c'est le boulot? J'ai pas envie d'en parler. Pas maintenant. Alors quand? Je m'inquiète pour toi. Pour nous. Mais y a pas de raison. Tu sais quoi? Ça fait des semaines que j'ai envie de... De quoi? De me barrer. Le plus loin possible. Loin de ce mur que t'as dressé entre nous. Loin de toi. Laisse tomber. Je vais de... Ok. Je vais recharger. Ah, donc les dialogues changent, mais reviennent finalement plus ou moins la même chose. Allez, on va lui parler. Je rechargerai plus, t'inquiète. Rien, tout va bien. T'es sûr? Ouais, ces derniers mois, ça va super. T'as l'air différente en ce moment. Tu penses toujours à Mikoshi? Ou bien, c'est le boulot? T'inquiète pas, c'est... Ce sera bientôt réglé. Réglé. V. Je suis pas aveugle. Ni stupide. Je vois bien que t'as dressé un mur entre nous. Que tu me tiens à l'écart. Des fois, j'ai l'impression que tu remarquerais même pas si je disparaissais. Laisse tomber. Je vais dehors. J'arriverai peut-être à apercevoir le Crystal Palace. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là, la Judy, là? Parler à Judy. Alors attends. Je save. Je vérifie. C'est vrai que on pourrait le confondre avec Vénus. V. Je crois que j'ai fait une connerie. Juste histoire d'être sûr. Parle plus du Crystal Palace, là, si? C'est bizarre, mais je crois que j'ai compris que... je m'étais jamais senti bien ici. Je pensais que j'aimais le fait d'être un atome perdu dans la masse. Être anonyme, en sécurité. Mais c'était une illusion. Je regarde cette ville et je me sens... comme un atome perdu. Des fois. Mais le plus souvent... seul. Mais tu m'as, moi. Ouais, je sais. Pour quelque temps encore. Tu sais, je découpais ma vie en phases avant. J'avançais étape par étape. D'abord la phase avec le taudis dans le méga building, puis celle avec le foyer d'accueil, celle avec les mox. À chaque fois, je croyais que j'avais trouvé mon chez-moi. Mais au final, j'ai toujours été déçue. Cette phase-là, tu l'appellerais comment? C'est de ça dont je voulais te parler, justement. Écoute, V. Je dois partir d'ici. Quitter Night City. Trouver quelque chose de mieux, de plus viable.
comprends? Je veux pas que tu partes. Pas maintenant. J'ai besoin de toi. V, t'as trouvé ta place ici. Cette ville t'appartient. Regarde-toi. T'es la reine de l'afterlife. Une légende. Laisse-moi me trouver. Découvrir qui je suis. Enfin, tu sais quoi. Oh, putain, c'est tellement dur à dire, surtout à toi. Merci, Judy. Pour me l'avoir dit. Et pour tout le reste. Je sais pas ce que tu comptes faire, mais... Est-ce que je peux t'aider? Non. Ce que je vais faire, je dois le faire toute seule. Alors tu vas l'accepter, ce boulot. J'ai une dernière chose à prouver à cette ville. Je n'ai plus beaucoup de temps, je dois le faire maintenant. Je vais prendre ça. C'est ma dernière chance de laisser une trace à Night City. Je dois la saisir. Alors l'afterlife te suffit plus. Tu sais pas quand t'arrêter. Non, plus maintenant. On va recharger le dialogue. Hop. Ouais, je sais, on se permet de recharger le dialogue pour voir les différents trucs, hein. De toute façon, c'est la fin du jeu, les amis, donc on a le temps. C'est vrai que... on pourrait le confondre avec Vénus. Mais... je crois que j'ai fait une connerie. Juste histoire d'être sûr. Parle plus du Crystal Palace, là, si? C'est bizarre, mais je crois que j'ai compris que... je m'étais jamais sentie bien, ici. Je pensais que j'aimais le fait d'être un atome perdu dans la masse. Être anonyme, en sécurité. Mais... c'était une illusion. Je regarde cette ville et je me sens... Quoi? Seule. Mais tu m'as, moi. Ouais, je sais. Pour quelque temps encore. Tu sais, je découpais ma vie en phases avant. J'avançais étape par étape. D'abord la phase avec le taudis dans le méga building, puis celle... À chaque fois, je croyais que j'avais trouvé mon chemin. Excusez-moi. Mais au final... j'ai toujours été déçue. Cette fois, c'est différent. Arrête, V. T'y crois pas une seconde. Écoute, V. Je dois partir d'ici. Quitter Night City. Trouver quelque chose de mieux, de plus viable. Tu comprends? Je veux pas que tu partes. Pas maintenant. J'ai besoin de toi. V, t'as trouvé ta place ici. Cette ville t'appartient. Regarde-toi. T'es la reine de l'afterlife. Une légende. Laisse-moi me trouver. Découvrir qui je suis. Enfin, tu sais quoi. Oh, putain, c'est tellement dur à dire, surtout à toi. Merci, Judy. Pour me l'avoir dit. Et pour tout le reste. Je sais pas ce que tu comptes faire, mais... est-ce que je peux t'aider? Non. Ce que je vais faire, je dois le faire toute seule. Alors tu vas l'accepter, ce boulot. Si ça marche, tu pourras plus m'oublier. T'entendras parler de moi, où que tu ailles. V, c'est carte postale de l'extrême. Ouais, ça me plaît, ça. J'ai hâte de voir. Ouais, donc au final, peu importe les dialogues qu'on choisit, elle part. Mais je veux pas qu'elle parte. Bien d'y aller. Je sais. Fais gaffe à toi, V.
revient en un seul morceau. Toi aussi, fais gaffe. Reviens en un seul morceau. Fais gaffe à toi, V. Ok. Bonjour. Merci d'avoir choisi les services de la Main. Où souhaitez-vous vous rendre aujourd'hui? À l'Afterlife. Emmène-moi là-bas. Comme vous voudrez. Nous allons suivre des couloirs aériens réservés. Il n'y a aucun retard prévu. Sans sas. Si je puis me permettre, vous avez l'air terriblement fatigué. La nuit a été dure. Les dernières semaines, plutôt. Je suis navré de l'apprendre. Le réseau de la Main a le plaisir de proposer des services supplémentaires qui pourraient remédier à votre état actuel. Qui plus est, je suis ravi de vous informer que de la Main a uni ses forces avec la Trauma Team. Grâce à notre pack temporaire Voyage Serein, vous bénéficierez de toute une gamme de services médicaux facilement accessibles. Emmène-moi à l'Afterlife et fonce. Naturellement. J'ai choisi l'itinéraire le plus court. Nous arriverons sous peu. Installez-vous et détendez-vous en admirant le panorama de notre belle ville. C'est vrai que c'est joli, hein. Peut-être la dernière fois que je vois cet endroit. Vous avez prévu de quitter Night City? D'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, je vous souhaite un bon retour chez vous. Comme le disent certains de mes clients, cette ville est un joyau de la côte ouest. Ils disent aussi que cette métropole est d'une beauté presque saisissante. J'en doute pas. Ouais, c'est joli, hein. J'espère qu'on reverra Judy, ça me ferait chier de plus la voir. Je sais pas pourquoi, j'adorais ce personnage. En tout cas, pour le moment, très très bien ce cyberpunk. J'en reparlerai après cette vidéo, j'en referai une encore où on se baladera et je donnerai mon point de vue. Et on fera des missions secondaires encore. Continuera de voir un petit peu ce que la ville a à nous proposer. Merci d'avoir choisi les services de la Main. Passez une excellente journée. Hey, vous là. Allez, descendons à l'Afterlife. Je sais même pas trop pourquoi on y descend, mais... Imaginez que vous puissiez définitivement très sur tout ça, tout laisser loin derrière vous, en entamant votre voyage vers l'ultime frontière. Envoyez le mot espace au 72-99 pour tenter de gagner une semaine d'évasion de rêve. Patronne. Salut, tout va bien? Parfait. On t'a préparé ton box. Salut V. On va parler à Claire. Ah, mais tu vas où toi? Je te sers un truc. Rien pour moi, merci. Je comprends. C'est le grand jour, c'est ça? T'as rendez-vous avec lui? Ouais. Rogue avait son petit rituel. Avant une grosse opération, elle descendait un shot de tequila. La préférée de Silveren. Je lui ai demandé une fois si c'était pour se porter chance. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que c'était pour se souvenir. Que se rappeler de Johnny comme ça, ça l'aidait à se concentrer sur l'essentiel. Alors je vais en descendre un. À ta santé. Elle est où la bouteille? Il est où le verre? Ah ouais, c'est elle boit de l'invisible. Ça c'est bien. Bonne chance, V. Salut, patronne. Hey, j'ai longtemps attendu ce moment. Si
C'est assez émouvant de voir la nouvelle légende de l'Afterlife en face. Contente de pas vous décevoir. Asseyez-vous. En même temps, c'est mon box, quoi. Je vous écoute. Eh bien, V. Vous avez frappé fort avec Mikoshi. Vous avez carrément mis Arasaka au tapis. Ça vous a apporté des édits et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mes gars s'y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment en profiter. Vous serez pas déçus. Vous avez choisi la meilleure merc pour ce boulot. C'est ce qu'on dit. Mais j'aimerais que vous me le prouviez. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil. D'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Eh ben, ils auraient tous tort. Vous parlez avec l'assurance d'une légende, ou de quelqu'un prêt à prendre tous les risques. Mais vous savez ce que ça fait de tout perdre, de se battre pour respirer encore un peu, je le vois dans vos yeux. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. Oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Oula, c'est quoi ce délire là? Ok, en position. Parfait, presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activé. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Non, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Et si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner est révolue depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est sinistre. Mais qui suis-je pour vous juger? Je comprends pas trop qu'est-ce qu'on fait là en fait. Bon, quand faut y aller. On se retrouve en bas. Terminé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? What?
On est mort ? Salut V, ça roule ? Ça fait un bail que t'es pas venu me voir. Je parie que tes tchoums de l'Afterlife t'ont trouvé un nouveau charcutoc de compète. Un connard huppé du centre-ville qui bouffe du chrome au petit-déj. C'est ça ? Ah, je te le dis franchement, petite. Profite de ta nouvelle vie. Personne ne le mérite autant que toi. Mais passe me voir à l'occasion, ok ? Quand tu seras dans le coin. On parlera du bon vieux temps. Et je jetterai un œil sur toi pour m'assurer que ton nouveau doc a rien bousillé. Allez, à plus, mais... Salut, V. Je t'appelle pour te dire au revoir. Je me suis enfin décidée à quitter cette ville pour de bon. J'ai réalisé que t'avais que deux choix à Night City. Devenir une ordure... ou te faire buter par une ordure. J'espère que t'arriveras à trouver une alternative. Dommage que ça se soit terminé comme ça entre nous. Bonne chance pour la suite, V. Salut, V. Comment ça va? Il fait un temps splendide dans les Badlands, comme d'hab. Toute ma glace a fondu, il fait 35 degrés à l'ombre, et une tempête de sable se dirige droit sur nous. Vraiment, tu sais pas ce que tu rates. Non, sérieusement, tout va bien ici. Les choses se sont à peu près arrangées entre Saul et moi. La famille continue de s'agrandir et on a toujours autant de boulot. Mais bon, faut bien s'occuper, pas vrai? Pas été là, je serais encore en train de galérer à Night City. Je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Sans toi, j'aurais jamais retrouvé mon chemin. Bon, allez. On se parle bientôt, V. Appelle-moi. Salut, V. C'est moi, Saul. J'ai entendu dire qu'il s'en passait de belle à Night City, et qu'une certaine V était le centre de l'attention. Je sais pas ce que tu comptes faire, maintenant. Mais souviens-toi. On prend toujours soin des nôtres. Et t'es l'une des nôtres, V. T'es une Aldecaldo. Ne l'oublie jamais. Fais attention à toi, V. Un de ces quatre. V, ça va? Tu m'entends? Merde, ça enregistre, là? Bon, bah, on se demande tous quand est-ce que tu vas venir nous voir. Au programme, j'ai... Barbuck, Kenneth, des causes dans les Badlands. Et même petite visite au Raffenshive. Bref, tout ça pour dire que les Badlands auraient bien besoin d'une terreur comme toi, V. Je sais pas ce que tu fais de bon en ce moment, mais oublie pas que t'es toujours la bienvenue ici. Allez, prends soin de toi. Salut, V. Bon, voilà le topo. Tes collègues ont fait une descente dans un magasin qui vendait des armes illégales. Fusils à pompe, pistolets électriques, bonbonnes de gaz moutarde. La direction nous a ordonné de tout détruire. Mais je me suis dit que tout ce matos pouvait peut-être servir pour une bonne cause. J'ai pas oublié ce que t'avais fait pour nous, pour Randy et moi. Cette ville a besoin de plus de gens comme toi. Et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés. À mon tour de t'aider, V. Un de ces quatre. Bonjour, c'est Bernays. V, vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais d'abord assurez-vous que personne ne nous écoute. Bien. Ma femme, Elisabeth, figurez-vous qu'elle est dans le coup aussi. Elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi. Elle me fait prendre ces pilules. Elle dit que ce sont que des vitamines. Je les ai fait analyser en laboratoire, et tout est normal, mais... qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés? Appelez-les quand vous aurez une minute, d'accord?
Oh, et n'oubliez pas d'effacer ce message. Salut V. Écoute, je pensais à toi, alors j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, ça marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais comme ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, eh ben, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré ? La force, l'empereur et le monde. Trésor, le monde va entendre parler de toi. Allez, montre à Night City ce que t'as dans le ventre. Et ben voilà. Donc on a perdu Judy, je suis un peu dégoûté. Bon, franchement, en toute transparence et toute honnêteté, très très bon ce Cyberpunk. Vraiment, mon deuxième jeu préféré de l'année après The Last of Us Partie 2 qui reste bien évidemment au-dessus. Mais très très bon jeu, vraiment... J'ai rien à dire niveau histoire, quête, narration, c'est génial. Bien évidemment, on peut pas passer ça. Bien évidemment, on peut dire et redire à cause des bugs. C'est ce qui a plus ou moins pourri un peu l'expérience du jeu, hein, concrètement. Parce que le jeu était sorti trop tôt, pas à cause de CD de Project. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont en colère envers ceux qui ont mis de l'argent derrière pour qu'ils sortent absolument le jeu. Ça aurait pu être le jeu de l'année s'il était sorti 6 mois plus tard. Là, ça aurait réellement été le jeu de l'année. Ça aurait été un 20 sur 20 concrètement. Moi, dans l'état actuel, niveau histoire, quête, narration, tout ça, enchaînement de trucs, je donne un 19 sur 20, clairement. Parce que j'ai adoré l'histoire, même les quêtes secondaires. C'est l'un des premiers jeux que je vois où les quêtes secondaires sont énormes. On peut pas juste faire échappe. Ah, voilà. Ah bah oui hein. Et donc ouais, niveau quête secondaire, moi j'ai halluciné, j'ai jamais vu un jeu où les quêtes secondaires sont tellement captivantes. C'est un truc de fou. Là il est vraiment... Alors... Ok, donc on arrive là nous. Alors moi tout de suite. Le premier truc que je veux faire. Oh non. Ah. Je pensais à toi. Et avant que tu demandes, non, tu portais pas de fringues. Ok. La routine quoi. Parle-moi plutôt de toi. C'était bon de parler. Je bouge pas, V. Appelle-moi quand tu veux. Donc en fait, attends, que je comprenne. Ok, donc en fait, le jeu, si je vais dans le journal... Ah non, en fait, d'accord, c'est comme si j'avais pas fait la mission. C'est un peu mal foutu, ça, par contre. C'est comme si j'avais pas fait la mission pour pouvoir continuer de jouer au jeu. Et si je vais dans... Tu as toutes les missions annexes que j'ai à faire. Si je vais donc dans... D'ailleurs, c'est quoi mes sauvegardes? On va regarder. Sauvegarder une partie. Ouais, voilà, ouais. Ok, ouais. 43 heures et 12 minutes de jeu, vous pouvez voir. Sauvegarde manuelle 8. Ouais, ok, ouais. Donc en fait, là, je peux retourner faire ça pour choisir les différents trucs. Donc ouais, pour prendre 5 minutes pour parler, donc là, ça je suis peut-être un petit peu pas très très fan, là. Du fait que, quand tu finis le jeu, tu reviens en fait comme si t'avais pas fait la mission. Ça aurait été bien en fait que t'aies fini la mission et que tu retournes dans la ville. Mais en fait, non, je viens de me rendre compte de moi-même. Non, tu peux pas en fait.
Parce que concrètement, si j'ai bien compris, quand on va dans l'espace et qu'on avance qu'elle sort le pistolet, là, on voit comme si elle avait du mal à respirer. Donc en fait, en gros, si je comprends bien, le machin, il se dépressurise, il n'y a plus d'air. Et V meurt, quoi, en gros. Donc en fait, on meurt. Concrètement, notre personnage meurt. Donc c'est pour ça qu'en fait, il nous faut reprendre là, parce que techniquement, si tu finis la mission, t'es mort, tu peux pas revenir en ville. Ok, bah je crois que j'ai plus ou moins compris le délire. Alors, si c'est bien ça... Attends voir, par contre... Je vais sauvegarder ici. Merde, j'ai fait charger! Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait de la merde. Mais non, mais j'ai chargé la partie. Mais quel gogol. Ok, bah écoutez, c'est pas grave. Pour finir cette vidéo, je vais me mettre ici. Et puis je finirai ça, je verrai ça après en off, il n'y a pas de souci. Donc oui, effectivement, très très bon jeu. Et puis j'ai bien aimé l'histoire, les quêtes, tout ça. La fin, c'est un peu triste comment ça se finit, mais c'est bien. Enfin, moi, je vais faire les différentes fins. Je sais pas si je vous les filmerai, si peut-être, éventuellement, on va peut-être se le faire ensemble. Cette vidéo a bien assez duré, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyberpunk. Portez-vous bien, c'était LSA, la bise à tous, ciao tout le monde.